Au championnat des solistes, une partie du public a parfois un comportement pour le moins particulier. Il s'agit d'une espèce un peu spéciale, les parents de solistes. Quand votre jeune talent joue sur scène, vous êtes forcément un peu crispé. On a le cœur qui tape autant que le soliste qui joue, parce qu'on participe au déroulement du morceau, et puis on vit le morceau, puis on est encore plus tendu que le soliste en question, quoi. Parce qu'on aimerait que tous les passages qui ont été travaillés passent au maximum. Puis il y a toujours un pourcentage qui va à côté, quoi. D'autres parents se montrent plus stoïques. Toujours un tout petit peu tendu, on vit un petit peu ce qu'elle est en train de faire, on connaît un petit peu le morceau parce qu'il le répète assez souvent à la maison, et puis on se fait des fois des soucis, des fois on est content, c'est selon. Aujourd'hui, tu étais content? Moi j'étais content, la soliste un petit peu moins, mais moi ils sont jamais contents de leur prestation. Et enfin, il y a ceux qui vivent le moment comme s'ils étaient eux-mêmes sur scène, une sorte de communion avec le soliste. Alors c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, quoi. C'est des moments magiques, quoi. Ce matin, je sais pas, avec toute la préparation qu'on a faite ces dernières semaines, puis d'arriver ce matin à écouter ça et puis d'avoir un tel plaisir, c'est quelque chose de waouh, quoi. Fierté de son fils et tout, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Les parents sont aussi très pratiques ce jour-là, en organisant le gîte et la subsistance. N'oublie pas les verres. Et en encourageant leur soliste préféré. Santé, mon fils, je te félicite. Santé. La dernière catégorie, c'est les parents coach. Ils sont à la fois parents et professeurs de musique. Ceux-là se retrouvent carrément sur scène lors de la prestation de leur protégé. Une proximité géographique qui n'a cependant pas du tout tendance à calmer la nervosité. Franchement, je crois que j'ai plus peur moi que Vincent. Et après toutes ces tensions, normal que les parents se lâchent aussi un peu. Et la même joie sans le piano, ça donne ça.